Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi cette envie subite d'être seule et de marcher? Pourtant, le week-end a été charmant. Avec des amis charmants. Avec mon amant. Charmant. Ces corbeaux. Paysage. Ça ressemble à un Bruegel. Ouais, j'aime Bruegel. Et j'aime bien ma vie. Mes amis, mes amants, et bien sûr Jean-François. Faire l'amour avec lui. Se réveiller dans ses bras. Prendre ensemble un premier café brûlant. Et Marc aussi. Travailler avec lui, c'est un plaisir. Mais ce corbeau et sa folle équipe, oh, j'ai le cœur déchiré. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Tout est triste. L'heure est triste. Le mois est triste. Le paysage est triste. Qu'est-ce que je fais là? Sur ce tronc d'arbre, au bord d'un étang? Je vais être en retard. Jean-François sera inquiet. Oh, Jean-François sera furieux. Mais Jean-François aura raison. Je suis pas neurotique, comme disent mes amis, je suis heureuse. Et alors, qu'est-ce que je fais sur ce tronc d'arbre? Peut-être avais-je simplement besoin d'être un peu seule. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais cet étang a un charme maléfique. Une longue suite d'enchantements. Ce n'est pas le hasard, c'est la fatalité qui m'a menée à ses bords. Fatalement attirée. Qu'il est triste, ce tronc d'arbre. Il a des veines de vieillard. La sève n'est plus là. Plus d'impulsion, de fièvre, d'envie de faire des bêtises, de faire l'amour, d'agir, quoi. J'ai peur. Je vais retrouver ma voiture, la musique dans ma voiture et puis les bras de Jean-François, les cafés de Paris. J'ai peur. Il y a quelqu'un en moi que je connais pas, que je découvre, qui veut regarder la nuit tomber, l'étang dans le noir, le bois devenir noir. Et pourquoi pas marcher vers cette eau, m'y enfouir, pour retrouver tout au fond les feuilles mortes. Sur un sable d'or et bleu, et là, allongé sur les feuilles, entouré de poissons fous et tendres, je serai à l'aise, retourné au berceau, à la vraie vie, à la mort.
Une première voix en moi me dit que je suis dingue, que c'est ma vérité. Et puis une deuxième voix, plus ferme, me dit « Ma petite fille, il y a en toi quelque chose qui cloche. Il faut rentrer et prendre des vitamines B et C et revenir vers ce qu'on appelle l'existence. »